Dans la cour du commissariat central de Cotonou se tient une séance sous une fine pluie. Elle se déroule entre le directeur général de la police républicaine et les agents en service dans les 13 commissariats des arrondissements de la ville. C'est normal que je vienne vous rencontrer pour de vive voix vous adresser mes félicitations pour tout ce qui a été fait en 2018 et que l'opinion publique nationale et internationale reconnaisse tous les efforts que vous avez déployés pour pouvoir garantir la sécurité à nos concitoyens ont porté leurs fruits. Kapemi sur le CRS, compagnie républicaine de sécurité Sisazogbo. Aux deux endroits, le principal sujet de discussion reste l'article 3 de la loi portant création de la police républicaine. L'article 3 est essentiellement consacré aux attributions de la police républicaine. Et l'article, dans cette disposition, précise que la police républicaine a pour attribution fondamentale, et ceci sur toute l'étendue du territoire national, d'assurer, dans un premier temps, l'ordre public et la sécurité intérieure, dans un second temps, la protection des institutions et installations de l'État, dans un troisième temps, le respect des lois et règlements, dans un quatrième temps, la sécurité des personnes et des biens. La séance a également permis d'évoquer les difficultés que rencontrent les agents de la police républicaine dans l'exercice de leurs fonctions. Des séances similaires sont également prévues dans les autres départements.